l'ordre du jour. Période de questions. Adoption du procès verbal du 3 septembre 2024. De retour sur les résolutions précédentes. De la convention mineure au 159 Saint-Germain. Demande d'appui à Normand Janson. Excavation près de la Sécurité pour le renouvellement d'utilisation pour Haut-Corpin pour le cadre de sortie. La correspondance et demande écrite. Groupe de travail municipaux, administration générale, adoption des comptes ateliers, rédition compte, projet particulier d'amélioration d'envergure suprême municipaux, et rédition compte, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, attribution du contrat d'entretien de la patinoire, autorisation de dépenses de dérogation automnale, aménagement et urbanisme, demande de la CPTRQ, d'Ivan Compagno pour le renouvellement et l'utilisation des fins hautes agricoles au gradé sorbillard. Avis de motion, modification de la composition du CCU, demande d'acte de servitude élargie pour une galerie existante au lot terminant par 7-7-3, voirie, autorisation de travaux, remplacement des valves de répartition, autorisation de travaux, connexion de déversoir du bassin de rétention, sujet ajouté pour le domaine stouclé, période de questions, levée de l'Assemblée. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ou on approuve ça? Une proposition? Proposée par André Lezu. Proposée par André Lezu. Période de questions? On est à notre période. Oui. Denis Lien, moi je veux savoir, le premier de savoir, on va être petit avocat avec la Sûreté depuis 2021. Ça, je pense que ça va être dans la dernière période de questions. Tu pourras poser la question de nouveau. Oui, j'avais une autre question. Dans le domaine des effets, la ville alisée, est-ce que ça va sortir? Là, c'est à 201, il y a deux gros blocs de ciment. Hein. Ça ne sort pas régulièrement, c'est juste une voie de dernier recours là, pour si jamais l'entrée d'abri est fermée. Mais là, il n'y a pas un pompier là, tant que le pompier là va passer, il y a une ambulance, une police, là, des blocs sont bien trop collés. Là. Seront déplacés à ce moment-là. Si oui. Jamais c'est bloqué ici. Si il y a un feu à minuit soir, vous allez ôter le feu. Si c'est bloqué à la brise, oui, ça va se débloquer. J'ai pas d'enjeu. Non. Comment faire, vous ne savez pas, mais ça va se déplacer. C'est ça? Exact. Ah, c'est tout comparé. Une autre question. Vous avez chargé le chemin de l'église avec la grenade. Oui. Ça veut pas peur que la grenade-là s'en aille dans un fossé cet hiver. C'est quand t'as fait rien. Il y en a des questions avec notre employé de voirie, censé que ça a été arrosé et compacté. Ouais. C'est ça le but de l'autre. Pour que ça s'en aille dans un fossé. Oui, merci. D'autres questions? Oui. Moi, j'ai vu à côté de Ronald Blanchard, là, puis Ronald. Rénal Blanchard, oui. Vous avez donné un droit que le terrain voisin se bâtisse un garage? Aucune idée. Ben, les fondations sont faites. Oui, ça, c'est sûrement qu'il y a eu une demande de permis, je suppose. Ben, tu sais, c'est agricole. Oui, j'ai aucune idée, c'est quel but, là. Ben, non, mais c'est parce que moi, je prends comme le petit corbeille. Il y avait un terrain adéquat pour avoir un garage. Ça lui a pris comme 2 ans avant d'avoir l'obtention d'un permis. Puis lui, il est à l'école, puis il a déjà fait les fondations. Il y a quelque chose qui se passe ici. Ça s'est fait avec l'urbanisme. Non, peut-être une demande ici au conseil. Non. La CPTOQ, quelque chose que vous avez tout accepté. Non, on n'a pas eu de demande. Vous n'avez pas eu de demande? Il n'y a pas de permis de construction? Aucune idée. Ben oui, on va. Aucune idée. S'il l'a fait sans permis, ça va pas. Ben là, en tout cas, checkez vos cartes. OK. Moi, j'en reviens pas. Parfait. Fait qu'on passerait au point 4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 septembre 2024. Votre clôture du procès-verbal. Est-ce qu'on a une proposition pour accepter? Proposée par Valérie. Retour sur les résolutions précédentes. Demande de dérogation mineure du 159 5e rang. Ça, c'est, il y a eu une recommandation du CCU dans ce dossier-là. La recommandation de CCU, c'est de refuser la dérogation mineure, puisque la dérogation, c'est que la distance est de 6 mètres, ce n'est que la bâtisse c'est par 1 mètre. Donc, c'est de refuser la dérogation mineure demandée pour le garage déjà construit tel quel.
Moi, j'ai demandé qu'on reporte le vote sur la recommandation de CCU à la prochaine séance du conseil, parce que j'aimerais qu'on puisse en rediscuter en atelier avec tous les conseillers présents. Je suis curieux de voir les questions qu'on a posées. Bien, j'en ai plusieurs. J'aurais aimé ça de le faire en présence de Louis-Philippe et Georges. Je pense que tous. Je préférerais qu'on le fasse. Êtes-vous en accord qu'on reporte? Merci d'un autre jour. Ben moi, si c'est des questions qui ne se traitent pas en public, j'ai pas de problème. C'est des questions qui se traitent en public. Ben, c'est pas nécessairement des questions qui se traitent pas en public, mais c'est surtout des interrogations que j'avais. Puis je voulais juste avoir des avis. Je voulais me faire une meilleure tête que ça rende tout seulement une question de. Ça change pas grand-chose, on va voir aussi. Ok, parfait. Demande d'appui, demande de Normand Janson, excavation hydrique auprès de la CPAQ pour le renouvellement d'utilisation des lots stabilisés au 175, 189, 189, 177, 182, 190, 255, d'autres fins agricoles, exploitation d'une gravière sorbière. Je ne me trompe pas, c'est une résolution qu'on avait faite, mais il y avait une erreur de fret dans le 1 numéro de l'eau. Donc là, je pense que c'était le dernier, 2,245,255. Je pense que c'était 2,247, je pense qu'il y avait des matières de 2,247, quelque chose comme ça. Donc, c'est une nouvelle résolution pour mettre ça comme il faut. C'est une autre proposition dans ce sens-là. Toutes les données ont été vérifiées par l'inspecteur Batet qui sont conformes. Je ne sais pas, ça va être. Vous avez les documents. La demande première de Batet. On va lui répondre de toute façon.
Ah, ok. Posez par un peu. Répondre la réponse, c'est ça. Tu connais que ça marche? Ben, en fait, c'est André qui a pour adopter le début de correspondance. Ok, ça marche. Groupe de travail municipal de CCU. Il y a eu une rencontre CCU, on n'a pas eu de compte rendu de ça encore. Mais il y a des propositions dans l'ordre du jour. On a des recommandations, qu'on a déjà traitées sur la 5e heure. Oui. On a une recommandation pour une galerie qui est non conforme, qui a été demandée sans permis, qui demandait. Ça a été mis plus loin. Ça a été mis plus loin. Oui. On va la traiter plus loin. Okay. Et puis, il y a encore recommandation. Parfait. Administration générale, les comptes affiliés. À l'exécutif, on a sorti une liste d'absence de voter pour les comptes. Dans les comptes déjà payés, on a les déductions de sources fédérales, 2133,85. Les déductions de sources provinciales, 5483,9. Hydro-Québec, 1795,52. Coop-Tel, 402,72. INT Communication, site web, 57,43. André Blanchette, 64,28 pour cellulaire de septembre. Atelier Dominique, 2977,85 des outils électriques pour la boîterie. Belle Mobilité, 52,21 pour septembre. Coop-Tel, 1362,16 qui sont des dépenses qui étaient déjà comptabilisées au compte, mais pas dans la comptabilité. Qu'est-ce qui est en vert, c'est ça? Intérêt Communication, site web, 229,72. FTQ 600 pour les remises d'avril et mai. Visa 604,70. Facture Bell, Rona, puis frais de crédit. Masse salariale des élus 4524,89. La masse salariale du personnel 10472,16 pour 30760,58 de déjà payé. Dans les A payés, Visa 1455,84 qui est du le postage, le sens, la quincaillerie, location de nacelle. Jean-Yves Boutier, 250 pour le rapport de conformité de la haie végétale. Ministère des Finances, 50,652 qui est la part de surplus du Québec l'année dernière, 2,22. Ville de Valcourt, 1486,67 et la copart Aqueduc et la copart Loisir qui est les dernières copart pour l'année. Sylvie Héroux, 325,17 pour les teintes. Kilométrage puis équipement de ménage. Matrix 11,495,12 pour la collecte de septembre. La location aussi de conteneurs au terrain de balle. Salle de Mers 530,15 qui est du kilométrage, stationnement. Aquatique 4,432,10 échantillonnage d'août et septembre. Magasin général du village 105,92 pour la quincaillerie, teinte, outils, propane, peinture, etc. Équipement éclairé. 1093,81 qui est des équipements d'hiver, chaîne de tracteur, emplacement de pinceurs sur le champ. Normand Janson, 4610,50 pour le niblage de septembre et avril. Matériaux de la Rendiville, 303,5 pour des outils du marquage du bois. Alain Bellefeuille, 1759,53, l'installation des tamopons, Centre général de services aux bibliothèques publiques de l'Estrie 19 et 22. SIM 2644,43 pour le soutien technique, formation aussi. CRISOF 491,112, soutien informatique et papeterie. SPL de l'Estrie 401,34 pour septembre et octobre. Fonds d'information du territoire 48 pour les administrations. Lopatec 5524,41 pour le mois d'août. Joanne Fouesi 500 $ pour l'entretien ménager de septembre. DHC Avocat 788,16 pour des frais juridiques. MRC Duval Saint-François 373,75 pour les services d'urbanisme et géomatique, janvier à juin. Escalation de Charbutier 13,670,53 pour la location de pelles et camions pour les fossés, appartements dans différents mains. Jean-Yves David 1226,37 qui est la facture du congrès de la FQM. 92,45,0600 Québec, 244,15 pour du concorsé. Le spécialiste du ponceau, 772 pour un ponceau unboxé.
dans la dérogation du bois 158 et 10 pour une plaque vivante. André Blanchette, 42-47 pour des outils quincailleries. Carrière Saint-Anne, 476-51 pour de la pierre. Les entreprises Philippe Bertelette, 5380-83 pour la location du camion pour les fossés. Cherbourg Sanitaire, 205-53 pour les produits et équipements de nettoyage. Gaz Propane Rainville, 55-19, location de réservoir. WSP, 1426-91, prolongement de l'ingénieur pour le mouvement de l'église. FQM 454-22, juridique. Cécile de Lille, 837-50, entretien paysager, mai à octobre. Épicerie d'Off, 174-33 pour de l'essence. Alex Boutillette, 1302-64, la facture du congrès FQM. Et environ 17591-18, l'habitage de la pose sceptique. Menu du charme 200 pour la semence pour un total appelé de 141 565,80. Est-ce qu'on a des questions là-dessus? WSP, c'est avant le final. C'est-tu le final? Non, il reste la réception qui est dans les phrases. Oui, c'est vrai. Ligne 35, sur les bibliothèques, là, les rubans. Oui. Quand même. Ben, je sais. Des rubans de quoi? C'est des gaz de ruban. C'est dans les fournitures de la bibliothèque, c'est dans leur budget fonctionnel sous la réfecture. J'ai juste un ruban qui est sur la table. Bon. Peut-être des rubans gommés. Peut-être bien. OK. Peut-être bien. Là, c'est excellent. À part de ça, c'est beau. On accepte les dépenses dans une proposition dans ce sens-là. Je vais vous proposer par le finir. Rédition compte pour les projets particuliers d'amélioration d'envergure aux supramunicipaux, municipaux, c'est les subventions qu'on reçoit du. On le disait anciennement du ministre, celui-là, en fin de compte, finalement, d'approuver les dépenses de montant de 6497 relatives aux travaux d'amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Une proposition en ce sens-là. Proposée par André Leduc. Proposée par André Leduc. L'autre, c'est aussi une édition de compte pour l'amélioration par circonscription électorale. C'est celle qu'on appelait celle du député anciennement. Et c'est la même formulation, d'une certaine façon, d'approuver les dépenses au montant de 5676 relatives au travail d'amélioration et au frais numérique. C'est mon formulaire de question. Est-ce qu'on a une proposition pour proposer ça? Proposée par Alex Boutier. Proposée par Alex. Attribution du contrat d'entretien de la patinoire, ça serait de confier le contrat d'entretien de la patinoire pour la saison 2024-25 à Charles Corbeil au montant de 4 000. Est-ce qu'on a une proposition? Proposée par Louis-Philippe. Autorisation de dépenses, décoration automnale, c'est de faire des décorations pour la période de l'Halloween, je ne me trompe pas. Bien, en fait, si le projet est approuvé, on pourrait commencer que ce soit fait pour l'action de grâce, donc lundi prochain, lundi s'en vient. Donc, ça sert d'autoriser un montant de 325,40 pour l'achat de citrouilles et de matériel artisanal vivant à décorer. Il faudrait juste mentionner que les élèves de l'école Notre-Dame de Montsecours participeraient à ce projet à travers un atelier de décoration de ces citrouilles qui seront ensuite utilisées pour les colonnes qui ont de la joie. Donc, on commence par mettre les balles et les citrouilles à l'action de grâce. Puis, dans l'ancienne du 21, on avait des citrouilles à l'école, puis il y en avait qui étaient avec des parents bénévoles, que ce soit des carrés. C'est mon collègue André qui a eu l'idée de proposer cette activité à l'école, puis ça a été reçu avec beaucoup d'enthousiasme. Est-ce qu'on a une proposition pour accepter la dépense? J'ai une question. Le document qu'on a fait ce mois-là était assez complet, puis je me demandais
le matériel de bricolage, c'est-tu quelque chose qu'on va, par exemple, amener à la bibliothèque pour qu'ils puissent faire du bricolage ensuite? Ça peut aussi bien nous entraîner. Donc, oui, on pourrait. La bibliothèque, c'est pas une bonne idée aussi. La dépense est dans le code budgétaire. J'en ai proposé deux. Oui, c'est ça, il y avait. Je ne sais pas si tu voulais. De mémoire, je me souviens pas. Il y avait celui sur. Romantique. Oui. Qu'on avait souvent. On n'a pas utilisé. OK. Il y a 3 000 là-dedans. Proposé par André Le Duc. Aménagement urbaniste demande à la CPTAQ pour l'hiver en compagnie pour l'environnement et l'utilisation de l'eau sans habitude avec un aucun contrat de la Sardinière. Est-ce qu'on a une proposition dans ce sens-là? Posé par Alex. Posé par Alex. Projet de motion, modification de la proposition du CCU, c'est une recommandation justement du CCU, ça, en fin de compte, d'augmenter, je ne me trompe pas. Déposer un avis de motion sur la notification de la composition du CCU. Pour rajouter la recommandation de rajouter un citoyen à la composition du CCU et de donner des postes, des numéros de postes à chaque siège pour qu'on puisse faire des nominations sur chaque siège. Les chiffres pairs vont être dans les années pairs, puis les chiffres impairs dans les années pairs. On va les changer trois l'année, trois l'autre année, pour qu'on ait des gens qui sont toujours sur le comité. Le dépôt de règlement va aller au mois prochain. On avait discuté de mettre un conseiller plus aussi, qui peut se faire la rotation. Pourquoi ça n'avait pas été obtenu finalement? Le CCU recommande de ne pas mettre un conseiller plus. Le CCU est formé pour avoir l'opinion des citoyens. Et en ayant trois élus sur le comité, on était pas majoritaire, mais on est juste 6 conseillers. On trouvait qu'on avait une trop grosse représentation du conseil municipal sur le CCU. Puis, est-ce que les demandes du CCU, là, qui sont deux présentement, est-ce qu'il y a une augmentation qui est faite pour que, mettons, ben, c'était Joanie là, qui a montré l'intérêt d'aller au CCU, qu'elle puisse, elle, faire partie de la rotation? La rotation va se faire au chiffre impair, qui est le siège numéro, qui est le chiffre pair cette année, c'est le chiffre numéro 2. Là, c'est au conseil municipal de renommer les conseillers. C'est eux qui ont le nombre de conseillers qui sont présents sur le CCU. Ceux qui sont intéressés vont donner le nom au conseil. Le conseil va voter pour eux. C'est en décembre. C'est en décembre. Okay. D'accord. Okay. Ensuite de ça, on serait à la demande d'acte de servitude élargie pour une galerie existante, l'eau. Juste pour rectifier, là, il y a eu une petite modification là, parce que l'avis de motion n'avait pas été donné. Fait que là, ça va être en janvier. On va mettre la date pour le mois de janvier parce que là, on ne pouvait pas le faire pour le mois là parce que l'avis de motion n'avait pas été donné. Le règlement va être en avant. Oui, puis les nominations vont se faire en décembre. Bon. Donc, on va voter, nous, les élus, en décembre. Est-ce que toi, tu veux être le 1er décembre? Absolument, on a mis le statut le 1er décembre. Ça va être le 1er janvier. Qu'on va passer ici. Qu'on va mettre les nominations et des conseillers et des citoyens qui voudraient être sur le CCU. Le 1er janvier. À partir du 1er janvier. Okay. Puis après ça, quand est-ce qu'on clôt le dossier, en fait? Ça fait l'ordre dans la motion. Le règlement, modifiant le règlement. OK. Puis après ça, le règlement est en force. C'est ça. Je vais mettre ça. Est-ce que tu peux répondre à la question?
Si au Batek, non, mais. Si au Batek, on parlait de ça, c'est ça, mais on va le changer. Dès qu'on dépose le règlement, on va avoir une date. Ça, c'est juste une information. Je vous dis à peu près ce qui va être écrit dans le règlement, mais le règlement peut être différent. Mais oui, ça peut être 27 décembre. Ouais. C'est la meilleure solution. Parce que sinon, oui. Tu vas tomber sur le temps. Oui, plus compliqué. Très bien. Le dépôt du règlement va se faire le 27 décembre? Non. Non. Le dépôt du règlement va se faire le mois prochain. Le mois prochain, OK. Ce qui va être écrit dans le règlement, c'est à peu près ce que j'ai dit. On peut changer le règlement de conseil. C'est une recommandation du CCU. Okay. On avait pensé le 1er janvier, mais Joanie, elle apporte le point que si on arrive au 1er janvier, on va être dans les chiffres impairs. Oui. Oui, c'est siège numéro 1 et moi. Siège numéro 2, Louis-Philippe. Siège numéro 3, André David. Siège numéro 4, Joanie. Puis Charles. 5 Charles. Et le 6 va être disponible au moment où on va déposer le règlement le mois prochain. Pour un siège de lieu. OK. Donc, on sera rendu au 9.3, demande d'acte de servitude élargie pour une galerie existante, finissant par 703. Bon, suite à cette demande, c'est celui à siéger pour étudier la demande. La galerie a été construite sans permis de construction. Il empiète sur le terrain municipal. Donc, la recommandation est de ne pas accepter la demande. Ça a quoi comme conséquence, ça? Personne n'a déjà la galerie? Puisque ça a été fait sans permis, si la municipalité, l'inspecteur vient, la galerie devrait être défaite. Au complet, ou ça va à la partie qui empiète? Ah, là, tu rentres dans les règlements d'urbanisme. Il y a une marge de recul, il va falloir que ce soit dans sa marge de recul. Là. Je ne sais pas exactement les marges de recul, là, mais c'est se mettre dans les marges. Donc, proposé par de refuser la servitude élargie pour une galerie déjà construite. Pour nous parler de ça. Posé par Alex. Et on sera rendu dans les travaux de voirie. Autorisation de travaux en placement des valves de l'État. C'est une valve du champ, comment on appelle ça, de levier de décantation. Comment on appelle ça, quelque chose comme ça. Que les valves sont à changer. On va dire à deux termes, pour un montant de 6 835,80. Est-ce qu'on a une proposition pour ces travaux-là? Proposé par André Leduc. Proposé par André Leduc. Ensuite de ça. Question technique, est-ce que les valves qui sont usées restent de notre propriété? Oui. Peut-être que les pièces seraient intéressantes si jamais on a des difficultés. Ah. Peut-être. En fait, juste en aller prendre dans ce genre. Ce qui nous appartient. S'il y a une utilité quelconque, quand même, qui pourrait. Ou dépanner ou une pièce, ça serait bien liberté. On peut aviser notre inspecteur en ce sens. Autorisation de travaux, correction du déversoir du bassin de rétention. Suite au. Travaux finaux, notre ingénieur nous dit qu'il y a des lacunes à ce déversoir-là, donc il y a 2 000 à rajouter pour faire des modifications. Est-ce qu'on a une solution pour corriger le déversoir du bassin de rétention? Je propose. Juste expliquer aux citoyens ce qui est une puits centenaire. Puits centenaire? Oui, ici. On est considérant. Oui, c'est tout. Je ne suis pas sûr de m'en rappeler. Mais arrivé, peut-être. Les puits centenaires, en fin de compte, c'est que selon la météo, ils disent que les puits centenaires, il y a tant de pouces de millimètres, en fin de compte, quelque chose comme ça. Ça revient aux centaines. Ah, ouais. C'est cette pluie-là là, qui parle. Dans un laps de 100 ans, il y a eu une pluie. Dans un laps de 100 ans. Dans un autre marge de 100 ans, il y a eu une pluie avec un tel volume. C'est comme la pluie qui était la plus volumineuse. Ouais. Puis là, avec le changement climatique, ça va être plus au centre. Ça va être plus au centre. Il va y avoir le volume va augmenter. Ouais.
Bon, Valérie, on va poser ça. On a l'autre sujet que moi je quitte, puis peut-être à ce moment-là, on pourra poser une question s'il y en a. Je reviendrai par ça. Non, il reste la question de nos écrits. Le sujet. Pas écrire, mais. Vous n'avez pas voulu donner une dérogation mineure à Simon.
On n'a rien compris quand Alex nous a fait un baratin à Simon. J'étais ici. Okay. Non, mais c'est parce que... C'est correct vos commentaires, j'ai pas de problème avec vos commentaires. Mais pourquoi on les a? Mais on les a tous les mois, là. Fait que si on est au courant. Ben, ça pas l'air. On sait jamais rien. On est au courant de votre opinion. Ah, c'est mon opinion. Fait que je vais prendre des billets de questions, c'est une billette de questions. Si vous avez une question sur le sujet, je vais la prendre. Je vais essayer de vous répondre si je peux. Oui, mais je ne peux pas nous répondre. C'est confidentiel. Faites attention. Vous avez demandé les coûts des avocats, vous venez les avoir. Oui, oui. Fait que dites pas qu'on peut pas vous répondre. On vous répond. Ce qu'on peut vous répondre. Si vous allez à votre aviseur légal, trouvez-vous un aviseur légal, demandez-lui comment ça fonctionne, on a signé un papier de confidentialité, puis on va le garder. C'est clos ce dossier-là, on ne peut pas vous répondre. Même si vous nous dites qu'on est ici, qu'on est ça, qu'on ne peut pas vous répondre. C'est la loi, je veux dire, on n'ira pas à côté. Fait que s'il y a des questions, on va les prendre, M. Brier. En quelle année vous allez passer en cours, là? En 2025. Ben, là, je suis vraiment avancé sur une date, je voulais plus ou moins une date, le 21 juin, je crois, 2025. Merci. Mais d'ici ce temps-là, on ne peut pas savoir comment le dossier avance. C'est ça que tu nous dis. Je pense que je vous ai répondu à la première question. Oui, mais c'est ça que je te dis. D'ici ce temps-là, on ne peut pas savoir comment le dossier avance. Parce que je ne sais pas. Nous, on a signé un papier de confidentialité. La prochaine réunion, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Si ça va être encore un dossier de confidentialité, prévoyez-vous rencontrer une autre fois le promoteur? Ou c'est non? Ou vous n'avez pas eu de date pour vous rencontrer? Non, non, pas eu de date. Ça veut dire que. Le trottoir qui était bâti, la galerie qui était bâtie sur le terrain de la biscotte. Vous en avez parlé tantôt. Oui, c'est le lot 2,236,173. Si tu vas sur le site web, de toute façon, tu vas le savoir. C'est la maison Mélanie Baudouin ici. OK. De qui? Mélanie Baudouin. Ben, on a beaucoup de maisons. Laquelle? En face du romantique. OK. Continue une question. Quand il y a des travaux, les creusages de fossé et tout, là, à qui qu'on fait la demande pour si tu veux, la personne va avoir du matériel? Ben, en fait, c'est l'inspecteur en voyerie, en fin de compte, qui peut. André? Oui, tout ça. OK. C'est bon, merci. J'ai une question. Je ne sais pas si vous allez avoir assez d'argent l'année prochaine pour mettre des lumières à Domaine Zéphyr, dans la rue de la Lisée et la rue Mistral. Il y a plusieurs maisons de bâtiers qui n'ont pas de lumière. Ce soir, il y a bien du monde qui se promène à pied. On a commencé un peu avec le budget, puis des augmentations assez importantes là, dans toutes sortes de choses. Il y a bien des enfants qui se promènent en bicycle avant une heure, puis ça s'est écrasé pour du maire, je pense que c'est la priorité. Là. Je vais vous le demander. Pas de ça? Non, c'est tout, on s'en va. Donc, on sera rendu à la levée de l'Assemblée. C'est notre proposition de la levée de l'Assemblée. Proposé par Louis-Philippe. Merci d'être venu. Et la prochaine est en novembre. Merci.